au départ de la course parce qu'on a vraiment envie de courir. C'est quelque chose qu'on a préparé depuis longtemps. Et moi, j'ai toujours eu ce besoin d'être un petit peu communion avec la montagne. Et c'est une pratique qui est très longue, sur des dizaines, voire des vingtaines d'heures. Et l'important, c'était d'offrir une protection aux pieds. Pour vraiment ressentir le sol, être à l'écoute à la fois du sol, à la fois du corps. Il fallait une chaussure qui soit très polyvalente, qui puisse répondre aux attentes d'un terrain sec, d'un terrain gras, d'un terrain montagneux, d'un terrain plus plat.